Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, je vous prends, on est le matin. J'ai déjà fait plein de choses, donc j'ai emmené les deux petits bouts à l'école. Voilà, quand il se midi, Maxence n'a pas école parce qu'il y a une grève en ce moment à l'école. Bon, je sais pas pourquoi ils font la grève, mais bon, on nous avait prévenu. Donc Maxence, sa maîtresse, ne fait pas école. Donc je l'ai avec moi toute la journée. Donc j'ai un petit bonhomme qui est heureux comme tout de passer une journée rien qu'avec sa maman. Et je pense que je vais en profiter pour pouvoir faire des trucs avec lui. J'ai une petite idée en tête, je pense qu'il va être content. Vous découvrirez tout, je pense, en même temps que Maxence, comme ça, ça fera surprise pour lui, surprise pour vous. Bon, petite journée qui commence avec mon petit bout. Bon, ce matin, j'ai été chez le médecin pour pour mes problèmes de sommeil. Je vais faire un test d'apnée du sommeil, parce que peut-être que je fais ça. Je dis peut-être, hein, parce qu'on ne sait pas. C'est pour ça que je fais un test. Et mes ronflements et tout ça. Bon. J'emmène Maxence. Il sait pas ce qu'on va faire. T'es content? Oui. On est que tous les deux? Oui, parce que la maîtresse a la grève, donc du coup, il veut pas aller trop mal. C'est ça. Bon, allez, on s'attache. Je sais même pas si je le filme. J'ai un soleil de ouf. D'ailleurs, c'est super d'avoir un soleil de ouf. Bon, allez, on y go. Petite surprise. Alors, où est-ce que je t'emmène, mon bonhomme? Dans le restaurant de l'étoile. C'est ça. Tu l'adores, ce restaurant? On va manger au Memphis Coffee. Tous les deux. T'es content? Un bonhomme d'amour. C'est une journée que tous les deux? Oui? Regarde-le, il parle même pas. Alors? C'est trop cool. C'est trop cool, hein? En tête à tête avec sa maman. Memphis Coffee, ça s'appelle. C'est super. Elle est belle. On a rarement une jaune. Et moi, je prends mon California comme dame que j'adore d'amour avec de l'avocat. C'est super bon tout ça. Allez, bon appétit. Bon appétit les abonnés. On va où? Au cinéma. Deuxième surprise, nous allons au cinéma. J'emmène mon petit bonhomme. Il est tellement content de sa journée avec maman. Ça, ce sera moi le vainqueur. Pas de panique, Vic. Coucou, je vous prends à la maison. On est rentré avec Maxence de notre séance de cinéma. Il vient de me dire qu'il était trop content de la journée qu'il avait passée. Et moi aussi, je suis trop contente d'avoir passé avec lui. Tu fais un câlin, moumoute? Donc on est rentré, on va dire, pas pile poil, mais j'ai quelques minutes avant d'aller chercher les petits à l'école, à la maternelle. Oh, c'est quoi? Il y a un truc qui vient de tomber? Non? Ça fait comme ça. Ouais, je sais pas. Bon, regardez-moi ce grand garçon qui est trop content d'avoir passé une journée avec sa maman. Hein? T'es content? Oui. Oui? Tu fais quoi, là? J'ai froid. Ouah, t'es tout chaud. Là, je te touche, je te jure, t'es tout chaud. Ouh, il est chaud dans le dos. T'es un peu. Ouais, j'ai les mains froides. C'est pour la puce. Bon, pas de réponse, c'est que c'est bon. C'est bon, Maurice? Oui. Oui. Si on goûte pas, on ne peut pas savoir. Bah oui, tu me dis toi. Oui, après que. Ouais, comme d'habitude, c'est toujours bon. Merci mon Toby d'amour. C'est le même que d'habitude. C'est même que d'habitude. Et toi Maxence? Il met un cornichon sur un bout de boulette. C'est très bon. Élégant. Brillant. Mais appétissant. Un peu brillant, mais appétissant. Ah voilà, c'est ça. Bon, ici, on a des petits bouts qui sont couchés au dodo. Il est bientôt 8h30. Nous, on va se regarder les épisodes de Dexter.
On adore ça. On est dans la saison 7 et on se dit à chaque fois c'est la dernière. Mais non, ce n'est pas la dernière. Il y a toujours plein de trucs. Sinon, toujours sûr de cette oreille. C'est un truc de fou. Sinon, passez une très bonne journée avec mon grand. Franchement, lui aussi, il était heureux comme tout. Ça a fait plaisir de faire ça avec lui. Il faudrait que je trouve un autre moment pour faire avec Amaury. Sur un autre truc peut-être, ou la même chose, on verra. Et puis avec la puce aussi, voilà. Allez, je vous laisse, j'espère que cette journée avec nous vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.